Salut YouTube, nous voici et bienvenue. Nous voici dans un nouvel épisode de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. On vient de passer tout juste le prologue. Là, vous avez l'écran des scores et tout. Voilà, si vous voulez regarder un petit peu mes stats, bah, si ça vous intéresse, voilà. On repart tout de suite. Vraiment, le début, il est sur les chapeaux de roue et c'est pas terminé. On nous a pas encore laissé la main dans le monde ouvert, etc. Donc, je veux pas trop vous bloquer à ce niveau-là. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, moi, je suis vraiment sur une joie absolue. Je suis super content d'avoir lancé ce jeu et de le faire avec vous. C'est parti. Huit cents d'héroïsme. Ok, je sais absolument pas ce que ça signifie, mais on saura plus tard. Elle est encore là, mais elle, je suis sûr, c'est une alliée. Hein. C'est ça, gamer, t'as tout compris. J'avais entendu parler de la mise en scène de Hideo Kojima, mais alors à ce point-là, je m'en rendais pas compte. Hein. C'est vraiment hallucinant, les gars. Ocelot. Eh ben, on a enfin les sous-titres. C'est magnifique. Remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. D'accord, carrément. Donc là, on doit faire profil bas. Join up with Miller. Build that private army. One more time. It's your only chance. Si c'est aussi bien que celui que j'ai joué sur PSP, he's in Afghanistan. eh ben allons en Afghanistan. S'il est aussi bien que le jeu sur PSP auquel j'ai joué, ça veut dire que tous les personnages peuvent évoluer et tout. Tu peux faire évoluer tous les personnages, les monter en niveau, etc. Tous ceux que tu recrutes. Ok. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. On va aller le chercher de toute façon. Ça devrait aller. Started raising a stink. Now 7 days to Port Cassim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Ok, on est sur le fil du rasoir. Hein. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Stylé. Là, il nous mettrait le titre du jeu, ça serait parfait, quoi.
La vengeance. D'accord, nous on est en bas. Ou en haut. Ok. Ok, il apprend à utiliser son bras en fait. Oh, il est bien mieux celui-là. Eh. Bon, il manque un doigt, mais... Bah, c'est vachement beau, hein. Briefing de slot, là, là, ok. Les membres fantômes. C'est trop stylé. Ouais, je suis d'accord. Ce jeu est vraiment, vraiment dingue pour l'instant. Une tempête de sable en plein Afghanistan, c'est pas ouf. Allez, lâchez-nous un petit peu qu'on puisse découvrir le jeu. Ah mais là maintenant il a 5 doigts. L'autre bras c'était temporaire en fait. Ça a l'air d'aller. Oh. Waouh, c'est beau. J'adore ce genre de présentation du monde. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Okay. See Wandi on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we Donc nous don't on know est the là exact et location. faut aller ici. Finding it is your first priority. Et là on est bloqué dans cette zone là, là. Ok, c'est une toute petite zone. Localiser, Go ahead and sauver close the Miller. iDroid. Got your Ok. binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead? To the right. To the right. Ok, à droite, il y a un Go to the village. left. C'est ici? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Ça marche.
Ah d'accord, il fallait que je... Ah oui, parce qu'il y a un truc là. That's VLO Village, the VLO Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets 40 C'est years sympa ago. ça. 2 days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. LT. Wrong target, boss. Use your binoculars to focus in on Daviolo Calais Village and mark it. Ok. Placer, ôter le marqueur. Ah, je l'ai placé le marqueur, qu'est-ce que tu me veux? Wrong target, boss. Use your binoculars to focus in on Daviolo Calais Ah, il veut Village que and je mark marque it. le village. Good. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Ok. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we got Le plans monde est ahead. gigantesque, ouais, mais on If n'en you're a vu qu'une toute charging petite into partie, hein. Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. Oh là là, c'est classe quand même. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as big boss. That's how Carlson would Incroyable. want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Alors, il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses. Ah, les fameuses lunettes. And you're his only hope of getting them back. On va pas les mettre. C'est le souvenir d'un de nos potes, ça, non? Now go. Let the legend come back to life. Évidemment que je vais faire revivre la légende. Pas jusqu'au bout, quoi. Il y a dans les moindres détails. Alors là, c'est moi qui joue. Ok, je peux me cacher. Allez, trace un peu là. C'est stylé, hein. Voilà, parce qu'on dira. Bah, si la map elle grandit pas, ça ferait peur quand même. Par contre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de d'être sur la route en plein Afghanistan. Alors, comment on fait? Stop, stop. Ok, appel à siffler. Non, c'est pas ça que je veux. Attendez, je tente des trucs, je tente des trucs parce que je comprends pas tout. Là, si je rentre. Ok. Je pense que j'aimerais bien faire un jeu où on tue personne, mais je pense que ça va être chaud déjà. Rien que l'intro, elle nous a dit. Oh, l'élément de gameplay que je viens de voir. En gros, quand tu rentres dans un bâtiment, ça fait un effet de sombre, d'assombrissement. Et quand tu sors, t'as un effet de lumière aveuglante. Y a rien, on peut pas rentrer là-dedans? Je peux grimper ici ou pas? Il y a forcément moyen de grimper, non? Non, ok.
On va avancer un petit peu. Alors j'y vais tout doucement. Comment en fait j'allais... Et de 1. Ouais, mais il est forcément, il est pas tout seul. Ok, attendez, j'ai vu. Mais monte! Monte! Est-ce que j'en vois d'autres? J'en vois pas d'autres. On va le contourner. Ok, là. J'ai pas eu le choix. Je sais pas comment on fait. Un diamant brut. En fait, faut fouiller dans le jeu, on est grave récompensé. Ok, ça c'est les munitions. Comment on fait pour arriver tout doucement derrière un ennemi pour le prendre par surprise? Faut peut-être pas y aller à balle. Je vais essayer comme ça. Il y aura peut-être un truc en plus. RT. Quoi? Mais... suis complètement con. Désolé, je me suis loupé. Désolé les gars, je me suis loupé. J'ai cliqué sur un bouton. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, tout simplement. Ici, il n'y a personne qui va le retrouver, hein, on s'en fout. Hop. Bon. Apparemment, il n'y a plus personne. Attendez, j'ai vu une fleur là. Ça, je peux le récupérer ou pas? Absinthe. Enfin, je me gourre dans les boutons. Là, il y a aussi ça. Alors là, un jeu de collecte. Oh là là là, ça, c'est pas bon pour moi, les gars. On va essayer de prendre ce qui vient sur le coup, mais. Attends, c'était quoi? C'était ça. Sifflet dit horse. Comment on fait? Ok. Alors attends, je vais juste utiliser les jumelles pour voir. Est-ce que il y a des ennemis pas loin? Non? Ok. C'est parti. On va aller un peu plus vite comme ça. Là, il y a des maisons, j'ai envie d'aller les fouiller quand même, mais bon. On va faire un peu l'objectif principal, ça sera mieux. C'est X, c'est ça? Ouais, c'est X. On est à 300 mètres. Comment on fait pour descendre? Ok. Alors. Non. Pourquoi j'ai... Ok, on reprend l'arme principale. Le temps que je m'habitue aux touches, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Donc lui, ok. Les deux là, ok. Il y a bien un truc qui surplombe le village, mais on s'en fout un peu par là. Est-ce que par là, il n'y a pas quelqu'un? Tiens.
Ici. Et rien d'autre. Je vois personne d'autre là dans ma vision. Ok. Donc là, à 900 mètres. En tant que j'ai pas la capacité de kidnapper des ennemis pour les renvoyer dans mon camp, on va dire que je bute tout le monde. Salut Morgane, ça va bien? Comment vas-tu? Ça va, ok. T'as passé une bonne journée du coup? On va y aller comme ça, hein, les gars. Parce que je peux pas les capturer pour l'instant. On recharge. On prend. Benne ordure. Hop là. Il est caché. Là-bas, il y en a deux. Là, il y en a un plus près. On va essayer de contourner un peu. Il y a une voiture qui démarre là. Ok. Vas-tu les tuer? Bah, pour l'instant, j'ai pas la possibilité de les sauver. Donc, soit je les bute d'une balle dans la tête. Ou de plus, bref, dans le corps. Soit je les assomme. Mais les assommer, ça veut dire arriver dans leur dos. Je peux réessayer. Hein. Là, tu vois, là, je suis rapide. On va y aller tout doucement comme ça. S'il bouge, bah, je dois le tuer, mais sinon. Tu vois, je peux faire ça. Là, j'ai RT. Et voilà. Et là, j'ai lâché la RT. Ok. Ok. Tu vois, là, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien, je kiffe. Par contre, j'ai encore pas très bien compris comment on fait pour. Ah bah voilà, bah, c'est parfait. On va y aller doucement. Donc faut que je reste appuyé. Je reste appuyé. Et là, je choisis LB. LB. Ah d'accord, il faut que je. Sont les autres. D'accord. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas avoir de. Donc, RT. Élimination tactique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Et où est-ce que je peux le cacher? J'en sais rien. Tu l'es. Ouais, je l'ai eu, mais. Enfin, ça m'a pris 4 et. 3, 4 et 16, je sais plus. Alors, s'il y a de la musique, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un. J'ai récupéré des documents? C'est quoi ça? Ok.
location. Now we know where Miller is. I'm marking it on your iDroid. D'accord. Par contre, mon silencieux, il est bientôt détruit. Hein, donc là, il va falloir que je fasse gaffe. En fait, faut tirer vraiment que les balles qui sont nécessaires parce qu'après, tu peux plus... D'accord. Donc, je comprends le principe de d'assommer les gens, en fait, du coup. Parce que ton silencieux... Aïe, 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 aïe. Récupère le corps. On se casse. On va le laisser là. Ok, comment on fait avec l'autre? D'ailleurs, je l'ai pas, lui. Ok. Ouf. Caché dans les toilettes. Ouais, mais j'en ai pas vu. J'ai pas vu de toilettes. Je peux prendre les mitrailleuses, on peut les cacher, mais en vrai, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah là, de toute façon, il y a quasiment plus personne, voire plus personne. Hein. Où est-ce que je vais du coup? Là, il y a un objectif. À 50 mètres. You have arrived at your destination. C'est quoi ça? Mais non, mais on y va que dalle là. Il y a quelqu'un qui arrive ou pas? Bon. Ah oui. Il y a bien quelqu'un. Ouais. Donc là, j'ai fait mon dernier kill. Qu'est-ce que je dois faire? Eto, Eto. Attends. On va tracer. Ce que je comprends pas. Eto, c'est les cadavres que j'ai laissés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, je peux rien faire. Hein. Non, j'ai rien à faire. Il y avait une lumière sur un toit, je sais pas ce que c'est. Bon. On en est où sur la carte, là? Nous, on doit aller ici. Donc, bah, on va y aller. Hein. Allez, let's go. Le temps que je m'habitue un peu à tout. Attends, j'attends de passer le village, déjà, avant d'appeler le cheval. Donc, hop. Ouais, en plus, il se bloque dans le décor, là. Ok. Allez, let's go. X, c'est parti. Franchement, les gars, le ressenti que j'ai... Mince. On va les fumer, on va les fumer. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vais recharger, mais... Ok, j'ai rechargé. On est à 700 mètres. Il y avait un poste de garde. Et ça, c'est pas ouf. Il y a quelqu'un qui crie.
Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, là. Ok, on va le fumer. Je sais pas comment. Il est tout seul ou pas? Il n'est pas tout seul. Et moi, en fait, je peux passer tranquillement avec mon cheval, non? Ils sont tous barrés de toute façon. Allez, let's go. On va pas tous se les faire, hein. Ça sert pas à grand chose. À part gaspiller des munitions et abîmer mon arme. T'as le. La sensation de vitesse, la sensation du jeu en lui-même est vraiment cool, hein. Le game feel est vraiment cool. Bonne soirée Morgane, merci d'être passé. De toute façon, on se voit demain dans la matinée. Alors là, par contre, va peut-être falloir y aller mollo mollo. C'est quoi ça? Ah, c'est un mouton. Ok. Mince, loupé. Et il y a un diamant. C'est gratuit, on prend. Alors, c'est parti, les jumelles. Alors, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois des ennemis déjà là? Par là, là? Non. Non, là, il y a une. Ok, il y a une arme, mais il n'y a personne. Là, il y a quelqu'un. Ok. Là, il y a quelqu'un. Le but des jumelles, c'est un peu comme à la Assassin's Creed, en fait. Hein. Là, j'en ai vu un. Où ça, déjà? Mince, j'ai vu quelqu'un marcher par ici, mais je le vois plus. Donc là, il y a trois ennemis. Je suis sûr, il y en a plus que ça. Tiens, bah là. La lampe qui bouge. L'ennemi là. Alors. Il y a vraiment un esprit tactique et tout, d'utiliser les jumelles, c'est vraiment cool. Il y en a un là. En fait, faut vraiment attendre. Je pense que je les ai tous. Hein. Par contre, si je tire, je vais ameuter tout le monde. Va falloir que je me carapate. Lui est en train de se barrer. Je pense que c'est le moment d'aller par là. C'est parti. Pour l'instant, on peut courir. Ils nous entendront pas de toute façon. Voilà. Et là. Il est à 50 mètres. Je vais passer par là. Alors, il y a des ressources intéressantes. Est-ce que je peux rentrer dans la maison? C'est pas une bonne nouvelle. J'aime pas entendre des bruits comme ça là. Ça va être chaud, hein. Parce que là, il y en a un qui arrive.
Manche obtenue, ok. Est-ce que je peux passer par ici? Il me voit? Non, il me voit pas. Il me voit pas, hein. On est d'accord? Ok, on recharge. Ah, je vous ai dit que ça allait être chaud, mais là... Attends, je peux grimper? Ah, ils s'attendront pas à ce que je sois en haut. C'est où que je devais aller, moi? C'est là? Attends, ils m'ont jeté une grenade sur le toit là? Comment ils savent que je suis là? Pas grave, j'ai assez de munitions, les gars. T'as un problème, toi? Vas-y, sors ta tête. Non, mais c'est... Loupé. C'est pas grave. Aïe. Recharge. J'ai pris cher. Okay. Attendez, on va voir s'il n'y a pas des ressources un peu là. Ah, il y avait une cassette. C'est une grenade qui a été lancée là? Ok. Ah, j'ai la pression de fou, les gars. Ok, on libère. Les fameuses lunettes.
Ouh. Extraction arrived at multibase. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out. Oh. You can check the location on your iDroid. Mission Evo has been updated. Il se passe quoi là? Il est où? Il vient encore? Bon, je crois on va tracer, hein. Et prends une autre arme. Attendez, on attend un petit peu. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Ah mais le pistolet ça endort. Ah oui d'accord. Alors moi je me casse hein. On trace. Y a plus personne ici. Faut que j'aille où? Bon j'ai fumé à peu près 3/4 des gens qui étaient dans la ville donc c'est bon. Allez let's go. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu es mort? Oh non, il a tiré sur mon allié. Non. Boss, bon. The target's dead. Mission failed. Ouais. Ah, je suis désolé la commu, je suis désolé. Je pensais pas qu'il allait tomber au combat. Ok. Mission info has been updated. You look well. Age hasn't slowed you down one bit. Pitié, nous voit pas, pitié. Allez, cette fois on essaie de le faire sans se bagarrer avec tout le monde. Même si j'ai déjà fait la bagarre, on peut accélérer, je pense. Je souffle, hein. Je souffle très fort, les gars. Il y a même un diamant ici. Hop là, petit cadeau. Bon, je pense que je peux courir maintenant. Normalement, il n'y a personne. Oh. J'arrive les gars, j'arrive. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va couper. Hein. Oula, non, on va pas couper parce que sinon faut sauter. Les gars, je suis là. Et j'ai notre ami avec nous.
Comment ça, tu décroches? Oh oh. Quoi? Il y a des zombies dans ce jeu? Oula. D'accord. Ouais, va falloir courir, hein. Boss, watch out. It's the skulls. Don't let them find us. Whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there. The chopper will be waiting. Ouais. Ok. Et moi je monte, c'est ça? Mais on va où? Attends. On va continuer par là, hein. Ah non. Ah, faut que j'aille tout au bout là-bas. Bon, faut pas qu'il nous repère, mais... J'ai perdu ou pas? Wow. C'est grave stylé quand même pour ce qui se passe. Ah. On n'a pas trop de choix, hein. Il y en avait à gauche, il y en avait en face. Pourquoi le cheval il s'arrête? Mais pourquoi tu t'arrêtes? Cours, cours, cours. L'hélico il est au fond. On va bientôt y arriver. Wouah, non mais cette mise en scène les gars. Oh, c'était incroyable. J'adore ce que je vis là. Je sais pas vous, mais franchement, je suis trop content de faire ce jeu. Les animations, les scénarisations. Ah là, les soldats, c'est le dernier de mes soucis, hein. J'ai failli louper l'hélicoptère tellement j'étais dedans. C'est bon, je suis là, les gars. Quoi? Ah. Bon, on descend. Non, viens là. Te barre pas avec. Je récupère mon allié. Et let's go. Super. Il décolle ou pas? Il décolle. Ouf. Oh là 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 là, c'est incroyable.